À Château Rouge ce jour-là, visite d'une star internationale. Papa Wemba, la voix du continent africain, 40 ans de carrière, autant de disques. L'homme est un prophète en son pays, un demi-dieu en Afrique. Ça va. Respect. La star ne se déplace jamais sans garde du corps et porteur de parapluie. Ça fait chaud au cœur, quoi. Et c'est ça qui me rend aussi fort et stable quelque part. Et confiant aussi, quoi. Et confiant. Et dans un quartier comme ici où la vie elle est parfois pas facile, vous vous dites que vous apportez quoi à ces gens ? J'apporte là, le soleil, j'apporte la lumière, j'apporte la joie. Les drames d'Aka, quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Le chef. Il est des chefs. Les drames d'Aka, quoi ? Le chef est arrivé. En République démocratique du Congo, le grand chef est une personnalité qui déplace les foules et peut remplir le stade des martyrs de Kinshasa. Ces images datent de 2002. 120 000 personnes étaient venues l'acclamer. Mieux que le Stade de France. Vous êtes française, non? Et la musique chez vous, Genève, qui représente Genève D. Il vous représente quoi? Il représente quoi? C'est une icône. Ah, mais voilà, c'est comme Papa Wemba, c'est une icône. C'est pareil. Et le Johnny Hallyday congolais doit se prêter aujourd'hui à une séance de dédicace de son nouvel album. C'est le meilleur, l'unique, c'est notre Dieu, le Dieu des Zaïrois, c'est lui. Sapologie. Qu'est-ce que c'est, sapologie? Demande à elle, elle te dira. Sapologie, c'est l'art de la tenue vestimentaire. Voilà. Sapologie, un clip bling-bling à la gloire de la fringue. Car Papa Wemba est lui aussi un adepte de la sap. Et pour son look, il fait appel au bachelor. Le roi des couleurs habille la star congolaise depuis des années. J'ai les ceintures ici. Ça vous plaît ici les couleurs? Ah ben oui. Il est bien placé pour en parler quoi, de la sap quoi. Ah ouais, Jocelyn est très bien placé pour parler ça. La tricologie, lui il peut en parler alors. La tricologie. Dites-nous, expliquez-nous papa. La tricologie, c'est l'art d'agencer les trois couleurs. Voilà. Ah ouais. Et ça, c'est des détails qui tuent. Oh là là. La règle d'or de l'élégance, ne jamais dépasser trois couleurs. Ça va être élégant, ça c'est... Ça tue, ça. Ah ouais, ça tue. Ça tue. Ah oui.